kende liboso, vraiment kende liboso, to tombeli en tout cas, nzambe wana zala liboso na ye vraiment, ya boye nanu ezala te, nanu ezala te vraiment, nanu totikala ko mwana mutu ya boye te, vraiment to lye na ye longo, to fete na ye longo, en tout cas, nzambe wana zala liboso na ye vraiment. Mina shukuru Mungu kwa shiku ya leo ya Noel, President Fachi Beton, Félix Tshisekedi wa Chilombo, anasema leo, afurahi na ba mama bote, ba bibi ya ba soda, inatupa furaha sana depuis mukini ilianzaka dunia ilianzaka tunapita ba president bote me yenjo wa kwanza anakula na ba mama anaishi na ba mama anashikia ba mama pia na répondre kushiku ya feti ya leo kuzaliwa kwa Yesu Masia leo yeye anazaliwa pia wenzana ba mama na batoto yetu wanatufurahisha tukao tuna furaha sana Mungu endelee kumchunga mubariki ashisabwe tena presidency twende kumbele ba mama ba baba yetu ba bwana yetu bote bashakwenda kule ku front yeye abakia tusutenir shina batoto yetu mu manyumba byote antupachia bya bule hospitali ya bule mai ya bule masomo ya bule njole tuku na muombe tena Mungu endelee tena kumbele kuzidi kumchunga kumubariki pale pa kiti kile. La célébration de la Noël a commencé depuis hier. Les messes et prières ont été dites dans les temples et paroisses, comme on témoigne ce reportage de Jacques Kawaba. Toutes les années, on célèbre la fête de la Nativité. Voici Noël 2022. Les esprits de l'Évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue. Et pourtant, chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ce, avant d'exhorter les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Ce sauveur du monde né dans une pauvreté incroyable. Devant ce mystère d'un Dieu couché dans une mangeoire, il nous faut réagir comme la Vierge Marie. Elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en cet état de Noël, emboîter les pas à la mère de la rédemption. Garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné, un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout, sauf les péchés. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons les potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays, la République démocratique du Congo. Le 25 décembre fête nativité, mais cette date ne fait pas l'unanimité en tout cas de toutes les religions, à l'exemple de l'église kimbanguiste qui célèbre la Noël le 25 mai et l'église orthodoxe le 7 janvier. Une conception développée ici dans ce dossier que nous propose Fifi Mukundi. Le tout premier Noël a été célébré plus de 300 ans après la naissance de Jésus-Christ. C'était un 25 décembre, date jadis choisie pour vénérer le roi Soleil. En ces jours, cette fête païenne est transformée à une célébration chrétienne. Bref, elle est christianisée. Malgré l'initiative de Rome de ramener l'attention de l'humanité vers Jésus à travers Noël, la perception de la fête de nativité diverge selon les doctrines de différentes confessions religieuses. Pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes, Noël marque la naissance de Jésus, le Fils de Dieu sauveur du monde. Selon la foi de ces trois religions, Noël est une fête importante. La fête de Noël n'est pas célébrée comme nous le faisons avec nos anniversaires de naissance. Non, il n'est pas question de ça. Mais c'est une date de convenance pour nos chrétiens. Donc le 25 décembre, nous avons la joie de célébrer notre salut comme chrétiens. Le jour de Noël, nous célébrons donc cette venue, cette incarnation de Jésus. L'église kimbanguiste, elle, célèbre sa nativité, l'attribue une naissance et une autre date. L'ange a apparu à Marie au sixième mois, sachant que le calendrier juif commence au mois d'avril.
Commençons du mois de septembre. Lorsque vous arrivez au mois de décembre, ça fait exactement 4 mois. Même sur le plan scientifique, on ne sait pas faire une démonstration qu'à 4 mois l'enfant peut naître. Les médecins, les scientifiques ne peuvent pas nous contredire. Et alors, lorsque vous comptez les 4e mois, donc le mois de janvier devient le 5e mois, février, mars, avril, mai, cela fait exactement 9 mois. Donc c'est très facile de comprendre en s'appuyant dans les Saintes Écritures que Jésus est né exactement le 25 mai. Les témoins de Jéhovah qualifient Noël d'une fête païenne. Selon eux, elle tire ses origines des rites mondains, non de la Bible. Nous ne participons pas aux festivités de Noël pour une raison biblique très simple. Selon la Bible, Jésus a demandé à ses disciples de célébrer sa mort, non pas sa naissance. Ça, c'est la raison principale. Il y a des raisons connexes à cela. Par exemple, la Bible ne dit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Ça veut dire que cette date n'a rien de biblique. Pour certains pasteurs, les chrétiens sont appelés à repousser les discussions stériles. Cette polémique est vaine car Jésus est glorifié à travers Noël. Les gens s'attendent spécialement à la date du 25. Mais je voudrais préciser que la fête du Dieu Soleil, solstice, était célébré pendant toute une période. Mais aussi, le Dieu Soleil qui était célébré fait allusion en réalité à un autre soleil. En ce qui nous concerne, la fête de la Nativité est venue supplanter, remplacer, occuper véritablement le temps des enfants de Dieu pour l'avènement du véritable soleil de la justice qui est Jésus-Christ. Toutefois, la divergence doctrinale autour de la fête des nativités demeure sans épargner les foyers et l'état du caractère festif de Noël qui entraîne les diverses dépenses. Belle fête de Noël pour les enfants orphelins de Kinshasa. Ils sont 300 à partager un repas de cœur et à recevoir des cadeaux. Une initiative de la Fondation Grâce à ma mère, dirigée par Madame Julie Nsuele Diane Balaka Sondanangi, était à cette activité. Le mois de décembre, réputé mois de partage à travers la fête de nativité de Christ et de la Saint-Sylvestre. Cela trouve tout son sens à travers la remise des vivres et non-vivres effectuée par Afriland aux orphelins de la ville de Kinshasa. La cargaison a traversé le centre-ville pour atterrir à Lupen, à l'orphelinat Cri des orphelins et à Selembao pour redonner le sourire aux orphelins de la main de compassion. Il y en a en quantité industrielle les sacs de riz, semoule de maïs, sucre, lait, le bidon d'huile végétale, le carton de poulet, carton de poisson salé, savon, jus, sac d'haricots, ballon de vêtements, bref, tout pour redonner le sourire et illuminer les visages de ces orphelins en cette période de Noël et de la Saint-Sylvestre. La délégation de la Banque panafricaine Afriland était conduite par Madame Rosette Langdou qui avait à ses côtés les membres du comité d'administration provisoire, les membres du comité de coordination et des quelques agents et cadres. Ces enfants dans des situations précaires ont besoin de notre soutien. Des vivres pour le fêter les sacs et pour lutter contre l'avancement des érosions, c'est le don de Christine Fezamoutema, l'élu de la Lukunga, au sinistré des quartiers Mpumbu et Matadimayo. On en parle avec Christine Denzo. C'est la deuxième édition de la caravane de solidarité que vient de lancer Christine Fezamoutema, députée élue de la Lukunga et présidente AI du regroupement politique AAA, chère au ministre Pius Mwabilou. Elle s'est rendue tour à tour au quartier Matadimayo et à Pumbu dans la commune de Mongafula. À Matadimayo, la députée nationale Christine Feza, accompagnée de son équipe, a bravé les obstacles de ces quartiers pour atteindre la population victimes des récentes pluies qui se sont abattues sur Kinshasa, laquelle pluie a causé des dégâts énormes et des pertes en vies humaines. Son constat était amer après échange avec plus d'une centaine d'habitants de ces quartiers Matadimayo. Pas d'eau potable, les canaux d'eau étant détruits par des têtes d'érosion. Christine Fezamoutema avait dans sa gibecière des vivres qu'elle a remis personnellement pour les festivités de fin d'année
aussi une enveloppe et des sacs pour les aider à renforcer la lutte anti-érosive en attendant l'intervention du gouvernement. Geste similaire au quartier Pumbu à Kimwenza où la population a aussi réussi une enveloppe et des vivres. Les bénéficiaires ont aussi posé leur indignation au sujet d'une érosion qui risque d'emporter l'école primaire Christ-Roi de Kimwenza, aussi l'entassement des immondices polluant ainsi l'environnement. L'initiatrice de Sidébel CP a promis de plaider la cause de cette population auprès des autorités compétentes tout en appelant à la mobilisation des bonnes volontés pour aider ces familles aujourd'hui démunies et sinistrées. Les bourgmestres et leurs adjoints seront notifiés cet après-midi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ça se croit au cours d'une cérémonie en la salle Virunga de l'immeuble de la territoriale. Ceux de la petite territoriale ont déjà le feu vert. Ils seront bientôt en fonction. Les maires, leurs adjoints, les administrateurs du territoire et autres ont reçu leur notification samedi dernier des mains de Daniel Asselo lors du lancement de cette opération en Bandaka. Les explications de José Baïtoua. Les bâtons de commandement ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées. Récemment nommées par le chef de l'État, une première vague de nouveaux dirigeants de la petite territoriale viennent de recevoir leur notification. Tour à tour, le maire de la ville de Mbandaka et celui de l'Isala de la Mongala ont reçu leurs documents de main du patron de la territoriale Daniel Asselo Kito Akoy à Mbandaka, de quoi leur permettre de prendre officiellement leurs fonctions. Le bourgmestre de Mbandaka, les administrateurs de territoire et autres de l'espace Grand Équateur présents au chef-lieu ont aussi reçu officiellement leur notification. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a sensibilisés et appelés à travailler conformément à la vision du chef de l'État et surtout porter à cœur son programme de développement de 145 territoires. Désormais, il n'y a plus de doute, tout le monde sera notifié. Je ne fais que matérialiser la volonté du chef de l'État. C'est lui qui a initié le programme de développement des 145 territoires. Et il a pensé que dans les conditions où nos administrations territoriales étaient en train d'évoluer, il fallait un changement. Les changements valaient la peine pour que ces nouveaux animateurs de notre territorial puissent accompagner ces processus de développement des 145 territoires. Après la province de l'Équateur, Daniel Asselo dit être déterminé à étendre cette série de remises de notifications de ces nouveaux acteurs des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi l'enrôlement des électeurs. Cette opération qui a démarré depuis le samedi 24 décembre de la première ère opérationnelle a été saluée par le ministre du Tourisme. Modero Simba s'est fait enrôler et a sensibilisé la population de Moanda à remplir son devoir civique. Reportage. C'est un grand plaisir. Vous savez, je fais partie du gouvernement. Ceci prouve la volonté de notre gouvernement d'aller jusqu'au bout, d'accompagner la commission électorale nationale indépendante, la CINI, pour le processus électoral de l'année prochaine. Et comme vous avez vu, lui-même, le chef de l'État, l'a fait en Mbandaka. Et moi, j'ai eu l'autorisation de venir sensibiliser ma base de Moanda, la population de Moanda, où je suis d'abord un élu de Moanda, et non pas seulement ça, mais soutenir aussi les processus démocratiques de mon pays. Ceci est l'expression d'une volonté à respecter le cycle électoral. Donc pour moi, j'ai rempli mon devoir en tant que citoyen, comme électeur d'abord. Mais c'est comme ça que chacun choisit son fief où il peut influencer les citoyens à s'enrôler. Parce que ce processus, ce n'est pas seulement l'enrôlement, mais ça se complète par les processus d'identification de la population par l'ONIP. C'est un processus que nous devons soutenir, parce que l'administration congolaise bénéficiera du fichier pour établir les cartes d'identité pour citoyens. Donc aujourd'hui, vous avez les informations sur mon identité, sur mes parents, sur mes enfants, sur mon épouse. Donc je suis un Congolais enrôlé et identifié.
En santé, sachez que l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable est en campagne de sensibilisation dans 5 communes de la capitale sur les méthodes contraceptives à Kinshasa. Les précisions de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Ngaboa, Makala, aux zones limitées et scellées, des équipes mobilisées dans ces 5 zones de santé de Kinshasa, certains coins parfois difficiles d'accès. Mais le tout, c'est de se rapprocher davantage de la cible sans oublier les personnes vivant avec handicap. L'objectif de cette campagne organisée par l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, était de sensibiliser sur la planification familiale en créant la demande des méthodes contraceptives importantes pour le contrôle de la maternité, avec impact sur la santé maternelle. On a planifié une campagne dans 5 zones. On cible la communauté de manière générale, mais on a un accent sur les jeunes filles et jeunes garçons, vu qu'ils sont la population la plus active du point de vue sexuel. On a toute la gamme de méthodes contraceptives, en commençant par le préservatif masculin et féminin, le pilule d'urgence, jusqu'au DIU. Message bien capté par la communauté, des décisions responsables n'ont pas tardé à se prendre. En République démocratique du Congo, le taux de prévalence contraceptive est d'environ 19% et malgré les avancées obtenues ces dernières années, les défis de dividendes démographiques demeurent encore. Fête de nativité rime aussi avec cette foire nationale des produits agricoles locaux. Elle a été ouverte hier à l'esplanade du Stade des Martyrs pour permettre aux Quinois de se procurer un produit agricole locaux à un prix abordable. Détail avec Redé Panda. Nourrir la population congolaise avec des produits agricoles locaux 100% bio demeure le souci ardent du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La foire nationale agricole organisée du 25 décembre au 5 janvier prochain est la réponse pour la matérialisation de sa vision. Fondée sur la vengeance du sol sur le sous-sol, à en croire son coordonnateur William Wongonyu. Au Mende, cette foire agricole qui se déroule à l'esplanade du stade des martyrs de la Pentecôte va permettre aux Quinoises et Quinois de se procurer en produits agricoles locaux, notamment la farine, les maïs, le riz, le poisson et autres produits de première nécessité à un prix abordable. Vous voyez, nous sommes ici au stade des martyrs pour accompagner la vision sociale des chefs de l'État. C'est pourquoi je me suis mis à DAS, par les relations ou la responsabilité que j'ai de rassembler les Congolais pour que nous puissions vendre les produits à moins cher, à moins de 30% par rapport au prix du marché. Voilà, aujourd'hui, nous avons des vivres frais. Vous voyez des conteneurs, il y a de l'autre côté. Il y a tout ce qui est comme vivre frais. Je suis là pour accompagner Félix Tshisekedi. Les compatriotes congolais qui passent visiter cette foire agricole n'ont pas manqué d'exprimer sourire et satisfaction. Une cinquantaine de poteaux d'éclairage public et des lampadaires viennent d'être installés au quartier Kingunza dans la commune de Nzanza. Question de désenclaver cette partie de la province du Congo central. C'était un reportage signé Pierre Mboulou. Pambou, mieux connu sous le sobriquet de Kingunza, suite à l'existence d'une église des Noirs appelée le Ngunza, qui existait dans les temps immémoriaux, cette voie routière qui va du célèbre rond-point Belvédère jusqu'au terrain Biwewe, traversant ainsi d'un bout à un autre le quartier Tsakalantsimba, dans la commune de Nzanza, était butée depuis belle lurette à de sérieuses difficultés socio-énergétiques qui impactaient négativement sur le processus de son développement durable et intégral. D'où cet appel au secours lancé auprès de l'autorité urbaine pendant l'une de ses itinérances administratives dans cette partie de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Le quartier Kingunza était buté à une grande insécurité. Répondant à ses cris de détresse, en plaçant les intérêts vitaux de ses administrés au cœur de son action sociale et les soucis de la population
au centre de sa feuille de route d'une gestion managériale efficace, le maire de Matadi, Maître Patinduziwa Makengedi, a lancé dernièrement sur fonds propres des recettes urbaines de la mairie les processus d'électrification de Kingunza à travers l'installation d'une cinquantaine de poteaux d'éclairage public, gage du désenclavement concret de ces coins de Matadi, un réel motif de satisfaction populaire pour tous. Premièrement, Matondo Mingina, maire de la ville, un grand merci au maire de la ville pour ce travail abattu. Je suis matadien. Dites-moi qui a déjà réalisé de tels travaux pour votre ville, qu'il continue sur cette lancée. L'installation de cet éclairage public à Kingunza va à coup sûr booster la sécurisation des biens et de la population en combattant la délinquance juvénile et le banditisme urbain dans ces coins perdus de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Le site de Chamusanda a servi de cadre à la double cérémonie de clôture et collation des grades académiques à l'ISC Tikapa, activité présidée par le gouverneur de province intérimaire. La première institution d'enseignement supérieur pédagogique de la province du Kasaï a procédé jeudi 22 décembre 2022 à la double cérémonie officielle de clôture et de collation des grades académiques de l'année 2021-2022. Moment riche en couleurs sur ce site où danses, chansons se sont invités pour ainsi colorer l'événement. Lecture du rapport académique par Donna Daniel Tchamoubende, secrétaire général académique, qui était premier à prendre la parole. Puis, s'en est suivi les discours de la présentation de la politique générale de cette institution par le professeur Joël Mbingue Lukwasa, directeur général de l'ISP Tchikapa. Proclamation des résultats par les chefs des différentes sections et les moments tant attendus arrivent. Cette double cérémonie était présidée par Ferdinand Pochampampoy, ministre provincial de la Santé, faisant fonction du gouverneur de province. Et ce message de vœux de fin d'année de la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC, à l'occasion des festivités de fin d'année 2022, le conseil d'administration et la direction générale de la Radio-Télévision nationale congolaise se joignent à leur personnel pour présenter leurs vœux les meilleurs à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, aux animateurs de toutes les institutions de la République ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ses programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023 dans la paix, la prospérité et la cohésion nationale. Puisse l'éternel Dieu Tout-Puissant bénir la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 23 décembre 2022. Le directeur général, le président du conseil d'administration, Floribert Louboto, directeur général adjoint, José Adolphe Voto. Et donc, c'en est fini pour cette édition d'information réalisée par Patrick Bapouila. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. Au revoir.